Nous jeudi à lundi 11 juin 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la carte pour nous capables pour la première sortie téléjournal là pour semaine si là. Rapidement, mes principaux points cap pour faire essentiel journal là pour maintenir pour nous faire qu'on a examen officiel. 9e année fondamentale a démarré jeudi lundi à pour bout mercredi 13 juin. Plus passé 227 858 candidats dans tout pays a pour subir épreuve si là. Archives nationales d'Haïti célébré samedi passé à Journée internationale Archives sous thème Archives, gouvernance et patrimoine. Cérémonie a été déroulée en Pétionville en présence de diverses personnalités, notre travail personnel, professionnel, notre travail, cap travail dans le domaine Archives là. Nous allons à l'échelle internationale pour une fois qu'on a un pays Canada fait une action traite ces dernières accusations au pays les États-Unis après sommet G7 là qui finit sans trop résultat suite à quelle décision président américain Donald Trump prend pour augmenter l'argent sous taxe pour mon cap rentrer avec aluminium ou bien acier. Ensemble pour ça va camper l'autre après pour faire essentiel le journal là pour jeudi lundi on a pas vite arrêté pour chercher notre là après donner quelques secondes tant pis pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti n'a pas démarré avec information pour nous faire connaître. Je viens d'annoncer l'un des différents titres pour nous faire connaître. Environ 227 858 candidats dans tout pays a participé jeudi lundi pour bout mercredi 13 juin examen officiel 9e année fondamentale. Ce département de l'Ouest qui gagne plus de candidats que 101 174 écoliers qui gagnent pour subir épreuve ça. Après ça, c'est le département d'Atibonite qui a deuxième position avec 27 653 et puis département Nord vient en troisième position avec 24 017 élèves. Département qui gagne petit candidat cap participer dans l'examen officiel yo, c'est département NIP cap recevoir seulement 6 730 candidats. Mais que gens auraient gagné pour examen ça yo pour jeudi lundi 11 juin 2018 là, élèves a gagné pour capable composer dans communication française sorti 9h pour arriver midi, science expérimentale à 1h pour arriver 3h après-midi. Mardi 12 juin, élèves a pas gagné pour composer dans communication créole depuis 8h pour arriver 10h matin, sciences sociales 11h pour arriver 1h après-midi et puis anglais qui a sorti depuis 2h pour arriver 4h après-midi. Et pour troisième journée examen, élèves a pas gagné pour capable composer comme ça, mathématiques 8h pour arriver 11h matin et puis espagnol sorti 1h pour arriver 3h après-midi. D'après un communiqué ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle mettez dehors. Nous parlons avec l'autre information dans le journal là, j'ai qu'on t'a annoncé toujours dans différents titres pour nous faire connaître Archives nationales d'Haïti célébré samedi 9 juin passé à Journée internationale Archives sous thème Archives, gouvernance et patrimoine. Cérémonie ça a déroulé dans Pétionville en présence de divers professionnels qui travaillent dans le domaine Archives là. On suivait un compte rendu avec Lunel Jean-Louis et Christel Toussaint qui était sous place. Il y a été plusieurs dizaines de professionnels qui travaillent dans le domaine archives et recherche qui étaient présents dans le cadre de la célébration de la Journée internationale archives là. C'était l'occasion pour les professionnels de discuter sur la problématique archives là dans le pays. Le directeur général archives nationales d'Haïti, Jean-Wilfried Bertrand, expliquait l'importance des archives gagnées dans la vie sociale et politique du pays. Archives nationales ne recevoir versement contre toute institution publique depuis qu'elles ne servent pas de documents encore. Après un certain nombre d'années, il doit faire des versements réguliers dans l'archive nationale. Or, l'archive nationale a un problème d'espace, un problème de bâtiment. Il n'est pas capable de recevoir tout archive, ça, tout document qui n'a pas servi. Donc, tout document ça, depuis 60 dernières années, était dans l'institution. Lorsque nous considérons ce qui est passé, le tremblement de terre qui est fait le 12 janvier, nous avons imaginé qui état le document ça qui n'a jamais versé dans l'archive nationale en dans l'institution. On va passer tout côté dans tout ministère, même au palais national, pour que le document soit dans des conteneurs très mal conservés. Est-ce que génération Panon a prêté pour nous garder, pour nous quitter le pays à vie amnésique, perdre mémoire? L'ayant peut oublier l'histoire, les condamnés pour continuer à faire même erreur. Ces déclarations du directeur général archives nationales, Jean-Wilfried Bertrand, y ont l'autre bord souhaité pour l'État mettre campé un bâtiment qui répond à la norme conservation. Parce que l'homme ignore l'histoire ou condamné à répéter
tout mauvais bagage qui a été fait. Donc, mes amis, et je dis à son cri d'alarme, n'a lancé un SOS à l'endroit de tout le gouvernement. Nous n'avons pas le droit de quitter le pays a perdu tout le bagage. Si vous n'avez pas perdu, la condition sine qua non, c'est pour le gouvernement s'engage à doter les archives nationales d'un bâtiment aux normes. Coordonnateur général de l'Association nationale d'archives haïtiennes, Antoine Césaire, qui était présent dans le cadre de la célébration, souhaitait gagner plus d'importance qui baille avec le métier archives là dans le pays. Coordonnateur ANA a déclaré l'organisation après le continuer de travail pour renforcer la capacité technique professionnelle d'archivio à travers le pays. La profession d'archiviste est souvent mal comprise par ceux-là même qui ont la capacité ou la responsabilité de préserver et d'entretenir ce bien commun, mais surtout qui ont le devoir d'encourager ceux qui s'adonnent à la sauvegarde de cet incomparable témoin de l'histoire. La fondation de l'ANA découle de l'idée de continuer l'œuvre qui commençait à faire son chemin avec ASA. C'était dans l'année 1951, Archives nationales d'Haïti était venu membre du Conseil international Archives et puis participer pour première fois dans le stage international archivistique STIA qui était créé dans l'année 1950. Merci avec collaborateur nous, Jean-Louis Jean-Louis qui t'a présenté nos comptes rendus ici là. Toujours dans le même dossier ici là, pour nous faire qu'on a un directeur général d'archives nationales d'Haïti, Jean-Wilfried Bertrand, par explication sous mes yeux qui t'a le cran pour permettre à tout citoyen jeune avec de naissance. Yo, attend, directeur général a souhaité l'État mette plus bureau officier d'État civil dans une zone qui peut reculer, yo manière pour permettre à tout citoyen yo gain acte de naissance accès avec le service là. N'a pas la poté position. Précision dans Miko Lunel, Jean-Louis Akker, Fresnel, tout ça qui était sous la scène. Il y a à peu près 192 bureaux d'état civil. Vous mettez tout en dans la ville avec bouc, alors que son pays de montagne. Il faut faire 50 km, 60 km pour venir faire une déclaration. Il n'y a pas de faire. Et officier à tout pas déplacé pour aller venir. Donc, résultat, nous avons actuellement plus de 3 millions de monde en dans le pays qui n'ont pas gagné rien du tout. Et chaque jour, le nombre a augmenté, puisqu'on n'a pas un système d'enregistrement à la naissance, il y a des gens qui continuent à faire, qui étaient sans baptiste. C'est un gros problème lié, ce n'est pas l'archive nationale qui a résolu. Pour contre, pas oublier, l'archive nationale, c'est un receveur, c'est un dépositaire de registres. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons faire job là. Job là, c'est ONI avec le ministère de la Justice qui vous fait. Nous-mêmes n'avons pas accompagné ONI sur le terrain pour que nous fassions deux bagailles. Alors, enregistrer tous 3 millions de personnes qui ne sont pas des baptistes du tout, identifier et ensuite mettre un système d'enregistrement à la naissance dans l'hôpital. Ce projet pour mesdames, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait pilote qu'on y a là. Mais nous avons fait, il réussit. Avec nouvelles technologies, nous pouvons rapidement résoudre un ensemble de problèmes que le système n'a pas qu'on y a là. Il faut que nous ayons en pile courage parce que nous n'avons pas de changement, nous sommes résistants au changement, mais nous n'avons pas le choix. Il faut nous rattraper le retard. Nous avons de gros retards en matière d'identification des citoyens. Mes amis, si nous voulons vraiment engager un processus démocratique dans le pays, si nous voulons combattre l'exclusion, eh bien, il est impératif pour nous faire deux bagages à eux. Enregistrer et systématiquement tout haïtien, quel que soit côté lié, en dedans ou dehors pays. N'a pas poursuivre avec information pour nous faire connaître. Responsable administration générale douanier saisi dans la nuit de jeudi 7 juin pour arriver vendredi 8 juin passé à sur un bateau à lac Azéi, plusieurs marchandises, il a interdit rentrer dans le pays. Opération ça a réalisé dans le cadre de bataille qui a fait contre contrebande sur frontière Haïti avec la République dominicaine. N'a pas vite suivre. Opération ça que nous filmons sans doute, nous enregistrer après-midi, là, son opération qui coûte toute nuit. Là. Nous commençons depuis 10h du soir, nous finissons matin à 5h. Comme nous avons constaté, le contrebande qui s'est fait, il a utilisé tous les moyens pour être capable de détourner le contrôle de marchandises. Là, qui s'est noué, nous avons saisi les bateaux. Les bateaux, ça a eu là, nous avons toujours. Tout le bateau, ça a rempli de marchandises. Qui marchandises ont là-dedans?
nous gagnons des marchandises qui interdit par la loi, nous gagnons œufs, nous gagnons formes et nous gagnons l'autre marchandise encore. Mais l'opération a fait comme ça, ça veut dire sécurité nation même les menace. Qui ça capable entrer dans bateau yo, nous pas connaît. Trafic ça qui ça le permet qui fait là illégalement dans pays là, nous tout qui là tout, nous pas connaît. Ça son preuve fragote que nous toute là nous gagnons. Nous elle marchandise au sorti dans territoire voisin, yo utiliser moyen ça yo, yo utiliser des zones appropriées. Garde route nous sorti de yo pour arriver là. Qui ça au fait et nous avons tout camion ça qui de yo, c'est des camions qui pral charger marchandises là nous venir sur yo, yo courir, yo quitter camion ça. Entre bande là impacté de manière négative sur l'économie pays. Et pour me répéter mot pour mot, sa président de la République là toujours dit dans différents discours, la contrebande c'est un crime, la corruption c'est un crime contre le développement. Et contrebande là c'est un maillon la corruption. En ce sens, depuis où c'est contrebandier ou sont criminels et la place de tout criminel est en prison. Nous-mêmes au niveau l'État, nous lançons un signal clair, nous voulons un signal clair à tout contrebandier. Côté ou l'offre, côté mandingue, côté serrère, côté pulls, côté shit, côté sunnite, côté à la huit, quelle que soit chapelle politique ou appartenu, l'État nous-mêmes nous dit n'a extirpé contrebandier. L'autre information dans le journal là, ministère haïtien cap vive l'autre bord de l'eau avec l'organisation internationale pour migration IEM signé vendredi 8 juin passé un protocole d'accord sur migration internationale avec diaspora. Deux entités sa yo entendu pour gérer question migration en pays bien dans pays d'après ministre haïtien cap vive dans pays l'autre bord de l'eau Guy André François qui expliquait qu'il y a diverses mesures qu'il prend pour accompagner rapatrier. Plus explication dans micro jeune Luniel Jean-Louis Acker, Moïse Ulbrich. Je dis à son et nous passer au concret. Et Jean-Déjean t'a dit que nous allons travailler sur différents projets. Et m'a dit dans différents projets que nous avons travaillé sur yo, dans le sens et au niveau c'est au niveau zone frontalière yo, qui c'est projet les villages agricoles et cap dans différentes zones tant en Sapit et Belader et puis Wanamet. Et déjà on a passé à l'action côté me déjà invité représentant OIM là, M. Fabien Sendoussi et Wanamet côté nous pral faire premier déplacement nous pral faire visite ensemble qui veut dire non seulement au niveau du gouvernement au niveau de l'OIM et aussi de la diaspora qui gampi le terrain dans zone Wanamet côté nous même nous pral travailler pour nous gagner ça relé en village agricole pour moun haïtien a voyer tourner yo ou haïtien qui ta remet tourner la caillou parce que m'ga dit agriculture là et deux pays yo c'est même terrain hein? Donc y aller l'autre bord pour chercher la vie meilleure nous même et job pa nou priorité pa nou c'est bay moun sa encadrement pour ka tourner parce que yo déjà gon expertise nous déjà gè des modèles par exemple de partenariat k'ap fait entre secteur privé avec secteur agricole là. Ça veut dire que un dit moun ki gen terrain li gen priorité pour le mettre en puits d'eau pour clôturer différents termes et puis kounyen ki ça que et partenariat agricole là pral mettre au niveau souterrain ça. Mais après, toujours intéressant avec le ministère haïtien qui peut vivre dans le pays de l'autre bord de l'eau. Une fois qu'on est directrice générale, le ministère haïtien qui peut vivre dans le pays de l'autre bord de l'eau, Yolette Mingwa l'expliquer. Protocole d'accord, ça après permettre au ministère à Koyem élaborer ensemble une politique migratoire et puis renforcer les capacités techniques organisationnelles du ministère. C'est là une façon pour capable faire plus bon intégration diaspora dans la politique sociale et économique du pays. Qui a toujours un micro, Minerel Jean-Louis Acker, Moïse Ulbrich. Signature accord ça pour le permettre de institutions ça yo. Nous voulons parler de ministère des Haïtiens vivant à l'étranger avec l'OIM pour mettre tête ensemble pour être capable de travailler dans le cadre d'une migration régulière, d'une migration sûre et efficace. Jean accord l'a dit là, parce que le ministre ne s'est pas l'état à l'heure de pourcentage haïtien qui dans diaspora et qui gens haïtiens ça yo yo intervenu directement au niveau de l'économie haïtienne. Eh ben
Je ne dis pas, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, conscient de l'apport de la diaspora, conscient de l'apport des migrants haïtiens, li mettait li ensemble avec OIM pour nous capables de gérer la question migratoire la plus bien et puis réfléchir ensemble pour nous voir qui gens nous capables de mettre sous pied d'après la vision du président de la République, la vision du premier ministre, une politique migratoire qui pourra permettre que ce soit haïtien qui a sorti dans l'autre pays ou bénéficier de la migration, que ce soit pays qui a recevoir autour pour capable bénéficier des bienfaits de la migration. Avec protocole d'accord ça qui signé entre MAV et OIM, gain en pile travail qui pourra le faire, que ce soit dans niveau renforcement technique des capacités organisationnelles du ministère, que ce soit dans niveau travail pour nous capables d'intégrer diaspora puis bien dans le processus développement politique, économique et social du pays. Ministère Tourisme signé un protocole accord avec l'école supérieure infotonique d'Haïti vendredi 8 juin passé. Signature accord ça après elle permet au ministère à faire promotion pour ensemble site touristique avec patrimoine qui dans pays à travers technologie information et communication. On suit un reportage avec Rodney d'Orléans et puis Moïse Ulrich qui était sur place. Cet accord-là vient formaliser ce qu'on a fait. Maintenant, la signature de cet accord est d'autant plus importante pour moi, c'est qu'il me donne une légitimité pour aller discuter soit au sein de mon organisation, mais avec nos partenaires, qu'ils soient techniques ou financiers. Monsieur le ministre mentionnait juste à l'instant les projets au niveau de OneLament. Le fait d'avoir signé un accord me donne moi la légitimité de pouvoir parler avec nos partenaires spécialisés dans l'agriculture, spécialisés dans l'économie, et de pouvoir justement amener les partenaires de l'OIM, qu'ils soient techniques, financiers, et les partenaires de l'État haïtien, ensemble autour d'un même projet pour en faire un succès. Donc cet accord-là m'apporte à moi toutes les fondations nécessaires pour pouvoir supporter le MAV. Ce qui est aussi pour moi très important dans cet accord-là, c'est que l'OIM dispose de plus de 200 bureaux à travers le monde. Et ça me permet, moi, avec cet accord-là, d'un point de vue organisationnel, de mobiliser différentes ressources qu'on peut avoir, qu'elles soient encore une fois ressources internes, financières de l'OIM, ou bien des ressources humaines à travers les bureaux qu'on peut avoir à travers le monde, de pouvoir faciliter le dialogue et l'interaction entre le ministère et les Haïtiens vivant à l'étranger. Récemment, la visite du ministre au Chili est un bon exemple de comment on peut aussi nous faciliter les actions du MAV à travers les bureaux qu'on peut avoir au Chili. On a des bureaux quasiment dans toutes les provinces chiliennes, donc ça nous permet d'atteindre les gens au plus profond des campagnes pour faire en sorte que il n'y ait pas uniquement un côté de la diaspora, mais que l'ensemble de la diaspora, qu'ils soient les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus aisées, que je puisse adresser les besoins et les devoirs de chacun d'entre eux. Voilà, on a suivi l'intervention Fabienne Samboussi, chef mission OIM, qui a porté précision dans le cadre d'accord ça qui signe vendredi passé entre OIM et le ministère haïtien qui a vivre dans le pays l'autre bord de l'eau. On a une bonne possibilité pour capable suivre ensemble avec nous reportage ça suite à l'accord ça qui signe entre le ministère tourisme avec l'école informatique supérieure infotonique d'Haïti. Partenariat ça qui signé entre ministère tourisme et l'école supérieure infotonique d'Haïti pour permettre monde divers côtés dans monde là gagner image et explication sur ensemble patrimoine pays d'Haïti gagné grâce à une option qui c'est réalité augmentée. En dans projet ça tout gagnon l'autre option qui c'est réalité virtuelle, ça qui pral permettre yon monde quel que soit côté ou yé visiter site touristique Haïti yo. Donc nous avons ici une histoire et une culture qui est extrêmement puissante et intéressante, mais aujourd'hui nous devons moderniser et utiliser des outils beaucoup plus puissants que ceux que nous utilisons aujourd'hui pour en faire la promotion. Et c'est en ce sens que la ministre du Tourisme et son cabinet m'ont demandé de leur présenter quelques technologies que nous avons commencé à utiliser depuis un an et demi, deux ans, mais que c'est maintenant, je dois dire, qu'on commence à développer des compétences sérieuses dessus. Et je dois dire que très très rapidement, la ministre a non seulement compris les enjeux de ces technologies, mais aussi a commencé à réfléchir et m'a même devancé sur le type d'utilisation qu'on pourrait en faire et comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer dans la promotion de notre patrimoine en Haïti.
Haïti, c'est le premier pays dans les Caraïbes qui peut utiliser la technologie SAIO pour vendre patrimoine à site touristique. D'après le ministre touriste, Colombe Émilie Jessie Ménos. Le monsieur a été venu dans le bureau, je me souviens ça très bien. En octobre, je me prétends, bon, ok, je vais regarder si j'ai une possibilité pour capable faire ça. Et vraiment, à mon grand étonnement, c'est ça qui était tellement marqué moi côté que l'homme parle avec monsieur Atier, me dit monsieur Atier que am besoin et font technologie pour capable ouais comment tu capable mettre citadelle sous pied et tout ça. Et à mon grand étonnement, moi me dit non sincèrement depuis 10 mois que je comme des chita dans poste là, c'est première fois m'entend un monde qui dit ça. Madame Ménos, ou pas besoin inquiéto, nous avons joué un cerveau en Haïti. Et ça te marque tellement parce que tout le monde toujours dit, ah, on a cherché mon, on a cherché mon l'autre bord, on ceci, on cela. L'homme dit, n'a pas fait une plateforme numérique pour nous capable faire promotion citadelle avec tout ce patrimoine historique et culturel que nous gagnons. Il dit, en Haïti, nous capable faire. Et là, automatiquement, moi, dit, ah non, ça c'est partenaire rêvé, moi. Et, on dit que n'a pas capable une possibilité pour nous faire timonio, c'est ça que le dit timonio qui était lui-même passé dans l'école lien tout pour capable au moins travailler sous et système non, de façon que vraiment que nous capable et montrer à tout le monde sous la terre que révolution tranquille non, c'est pas révolution 1804 tant que m'a parlé là, ça sont révolution tranquille parce que nous sommes les premiers et journée aujourd'hui monsieur Atier fait ce deal, n'attendez encore. Ça, c'est la première fois que ça a fait au niveau de la Caraïbe. Nous défrayons la conique, j'aimerais bien dire l'homme, de dire avant-hier tout, parce que ça, c'est la première fois que nous allons joindre. D'abord, que Citadelle lui-même, qui est patrimoine nous-mêmes, qui parle son réalité virtuelle, côté qu'on est capable d'entrer en dans salle, lui mettre un casque, et puis qu'on y a après ça, que le visiter Citadelle virtuellement. Citadelle La Ferrière, c'est le premier site ministère à mettre disponible à travers la technologie SAIO pour permettre aux gens, tout côté dans le monde, de visiter. Nous sommes déjà arrivés dans le moment pour nous aller dans l'actualité internationale. Je viens d'annoncer les différents titres pour nous faire qu'on a un pays Canada fait une action traite ces dernières accusations. Pays les États-Unis après ce sommet G7 là qui pas fini avec trois résultats suite à la décision président américain Donald Trump prend pour augmenter l'argent sous taxe pour mon cap prendre aluminium avec acier. On peut vite suivre un reportage avec Ronyez. C'est peut-être un tournant dans les relations entre l'administration Trump et les leaders occidentaux. La volte-face du président américain bouscule les Européens, à commencer par l'Allemagne. Ce n'est pas une surprise, nous l'avions déjà vu avec l'accord sur le climat ou sur l'Iran. En quelques secondes, vous pouvez détruire toute confiance via un message Twitter de 280 caractères. Mais pour reconstruire, cela prendra plus de temps. On doit garder la tête froide et en tirer les bonnes conséquences. Du côté de la France et de l'Elysée, pour l'instant, aucune réaction officielle. Les poignées de main viriles entre les deux présidents semblent ne plus suffire. Sous anonymat, un membre de l'Elysée invite même Donald Trump à plus de sérieux et de dignité pour les peuples français et américains. Quant à l'hôte de cette réunion du G7, Justin Trudeau, il a refusé de s'exprimer devant les journalistes avant de tweeter un message qui ne répond pas aux attaques de Donald Trump, mais qui s'efforce de conserver les apparences. Les proches de Donald Trump s'en donnent par contre à cœur joie dans les médias. Son principal conseiller économique a évoqué une trahison de Justin Trudeau, alors que son conseiller au commerce a promis un siège en enfer à tous ceux qui tromperont l'ancien mania d'immobilier. N'a pas toujours été dans l'actualité internationale. La première fois qu'on a un président américain, Donald Trump, arrivé à Singapour, la veille, sommet historique là, qui doit être entre lui-même et le président Kim Jong-un, dans l'idée pour capable arriver à un compromis sur la dénucléarisation de Corée du Nord. Là, n'a pas vite suivi un reportage toujours avec Ronis. Il a dit venir pour une mission de paix. Donald Trump est arrivé à Singapour à la veille d'un sommet historique en quête d'un difficile compromis sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, assorti de discussions intenses sur la fin de la guerre entre les deux Corées. Très attendu, le tête-à-tête entre le président américain et le leader nord-coréen doit avoir lieu mardi dans un hôtel de luxe de la cité-état asiatique. Singapour, où Kim Jong-un est arrivé lui aussi. Ses déplacements sont extrêmement rares, mais ce rendez-vous va offrir une visibilité internationale au leader du régime ultra-fermé qu'est celui de Pyongyang. Les autorités singapouriennes ne cachent pas leur fierté d'avoir été choisies pour encadrer l'événement. Toute la ville est en effervescence, une agitation plutôt bien accueillie par les habitants.
voir passer les convois officiels, c'était vraiment un spectacle incroyable. Je ne m'attendais pas à voir Kim Jong-un et je n'ai pas encore aperçu Donald Trump. Mais j'ai le sentiment que quand il va passer, la sécurité va être maximale. D'énormes moyens ont été déployés pour assurer la sécurité de ce sommet qui se déroulera sur l'île singapourienne de Sentosa. Des quartiers entiers ont été quasiment bouclés. Environ 3000 journalistes sont attendus. Pour l'heure, des diplomates américains et nord-coréens sont réunis pour les derniers préparatifs. C'est avec toute dernière information ça que je n'en la cap pour maintenir, mais juste avant nous aller, nous avons un point qui était fait essentiel. Examen officiel 9e année fondamentale a démarré jeudi lundi pour bout mercredi 13 juin 2018. La police passe 227 858 candidats dans tout le pays a poursuivi épreuve Silayo. Archive nationale d'Haïti célébrée jeudi samedi 9 juin passé à journée internationale archive sous thème archive gouvernance et patrimoine. Cérémonie s'est déroulée dans Pétionville en présence de divers professionnels qui travaillent dans le domaine archive là. À l'échelle internationale, nous t'informons pour nous voir qu'un pays Canada a fait une action traite ces dernières accusations. Les pays des États-Unis après ce G7 là qui finit sans trop résultat suite à quelle décision président américain Donald Trump prend pour augmenter l'argent sous taxe pour mon cap rentrer aluminium à casier. C'est ensemble pour ça qu'un pilote qui te fait essentiel le journal là pour jeudi lundi 11 juin 2018 là. N'a pas souhaité tout pour une passion excellente semaine sur télévision nationale d'Haïti, mais surtout n'a pas invité à rester sur cette chaîne puisque l'information après pour suivre sur télévision. Merci.